sera dimanche encore demain. Ah oui, parce qu'on va passer le méridien. C'est vrai qu'on fait l'anti-méridien. Le problème, c'est qu'a priori, on a visé des journées durées 23 heures. Alors ça, c'est un truc qui... Alors que ça, la théorie, c'est ça. Pourquoi durer 23 heures? Ah, tu veux pas. Mais tu l'as scouté. Ah, parce que si, oui, comme on gagne sur le souris, il a raison, Xav. Donc au bout de 24 jours, on a gagné un jour. On a 45. On a 46 sacs, ce qui représente 45 jours de nourriture, parce que le premier sac est mangé avant le jour 1. Il est mangé le jour 0. C'est des problèmes d'intervalle, ça, pour les écoles. C'est pas mal. Donc concrètement, on a quoi? On a 45 jours, là. Ah, dans le doute, si t'as le doute, vaut mieux remanger que de sauter un repas. Tu vois. Quand tu bon, sais pas, voilà. Si jamais t'as un doute. On est le 15. C'est pas ton anniversaire, ça, le 15? Si. Cette nuit, on a été le 15 pendant une heure. Deux anniversaires. Ouais, on a été le 15 pendant une heure, on est repassé l'anti-méridien, donc on est devenu le 14. Finalement, attends, mais non, puisqu'on va vers l'est, on a dit que les journées étaient approximativement 23 heures. Comme j'ai eu une heure le 15 de la veille, bah finalement, si tu mets les deux 15 ensemble, ça fait 24 heures, ça fait un anniversaire normal. Ah, il y a eu bon ici. Oh, on a fait dans l'original. C'est il y a un saucisson. Ah, la vache. Rien que pour toi.